Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour continuer l'album et on va commencer tout de suite avec, en fait, cette côté qui est là, en bas. Hop, on va fermer celui-là. Et on va travailler ici, cette côté. Du coup, pour réaliser cette page, on a besoin de... Hop, on va voir tout de suite plusieurs choses. Hop. Déjà, ça, c'est mon papier de base. Je vais utiliser comme papier de base ici. Après, on a besoin de deux morceaux de papier qu'il mesure. La première, 17 sur 15,5 moins 1 cm moins 0,5. On va biseauter le 1 cm. Du coup, je vais prendre un ciseau. Je biseaute le 1 cm. Pas le 0,5, juste le 1 cm. On va biseauter. Et je colle tout de suite avec la colle sur cette côté. Du coup, je récupère ma colle et je colle tout de suite ici. On peut faire ça avec la double face, bien sûr, comme je fais d'habitude. Mais cette fois-ci, j'avais pas le temps de mettre la double face partout. Du coup, j'ai juste préparé tout de suite, vite fait, les pages. Et comme ça, je filme le tuto vite fait. Voilà. Mais on peut travailler avec la double face, bien sûr. Ou sinon, avec la colle comme moi. C'est comme vous voulez. On a collé cette côté ici. Là, on va récupérer l'autre morceau qui mesure 14,5 sur 15,5 moins 1 cm moins 0,5. On va biseauter le 1 cm. Toujours. Et on va mettre la colle sur la longueur de 1 cm. Et je colle sur cette côté. Parfaitement. Du coup, on a ici les deux morceaux. Maintenant, on va récupérer. Hop, ça après. Ça après, ça maintenant. Deux places photo qu'il mesure 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. On va ouvrir le rabat qu'il mesure 14,5, qu'il est sur cette côté. Et on va coller le premier place photo. Ici à 1. Parfait. Et le deuxième, je le colle en bas, bien égal avec celui-là. Du coup, je le colle ici en bas. Parfait. Super. Et ici, on va fermer avec un aimant. Bien sûr, on peut fermer avec une flippette ou sinon avec de la ficelle. C'est comme vous voulez. J'ai préparé même le ruban comme ça, toute fin, pour utiliser dans l'album. Mais cette fois-ci, ici, je mets des aimants. Voilà, je cherche mon double face. Et je veux mettre ici un haut, un aimant, et après je mets le deuxième ici en bas. Hop, je ne sais pas correctement. Hop. Il est assez épais cet aimant, du coup je veux récupérer un autre. Et je colle ici. Parfait. Et ici, c'est fermé. Maintenant, on va travailler ici. Là, on va récupérer deux places photo qu'il mesure 14,5 sur 9,5 moins 1 cm.
et deux places photo qui mesurent 13,5 sur 17,5 moins 1 cm. On va prendre les places photo qui mesurent 13,5 sur 17,5. On va mettre bien la colle, bien sûr. Et on colle ici, au milieu de mon rabat. Je fais bien attention de ne pas coller sur mon pli de 0,5. Je colle sur la page. Je récupère le deuxième et je le colle ici sur cette côté. Parfait. Maintenant, je récupère les places photo qui mesurent 14,5 sur 9,5 et je colle ici au milieu un ici et un en bas. Parfait. Voilà, et le deuxième en bas. Parfait, et on a deux places photo comme ça et deux places photo comme ça. Et ici, je veux mettre des aimants, bien sûr. Du coup, je mets un aimant ici. Je le mets bien au milieu. Et le deuxième ici. Je tiens bien droit correctement et je colle ici. Parfait. Maintenant, ici, je colle mon papier déco. Je le colle tout de suite. Voilà, et avec une chute du papier qui mesure 21 sur 8,5, j'ai réalisé une bordure et on va faire une pochette. En fait, je mets ici un petit point de colle, comme ça. Vraiment quelques millimètres, pas plus. Pareil ici et en bas. Comme ça, je fais une pochette. Je me place ici au milieu de mon papier déco, ça veut dire qu'on va avoir une toute petite bordure tout autour. Et comme j'ai une bordure de papier déco ici, on va laisser en bas aussi la petite bordure. Comme ça, ça fait beaucoup plus joli. C'est une pochette où on n'a pas beaucoup de volume parce qu'on n'a pas les plis de 1 cm sur tous les deux, sur tous les trois côtés, mais on peut quand même mettre plein de photos à l'intérieur. Moi, j'ai réalisé deux cartes qui mesurent 9,5 sur 13,5 pour des photos 9-13 et je les mets ici à l'intérieur. On peut les mettre comme ça ou sinon on peut les mettre comme ça. Moi, je les mets comme ça pour avoir des places photo paysage et voilà. Hop. Parfait. Pour fermer ça, on va fermer avec une morceau de ficelle parce qu'on a bien du volume sur tous les côtés. Du coup, je préfère fermer avec du ruban.
Je récupère mon ciseau. Une belle morceau de ruban. Hop, bien égal. Là, sur les côtés, on va faire comme ça, ça ne filoche pas. Et je colle un ici. Du coup, je me place là au milieu et je colle avec le double face. Et après, je colle l'autre ici. Je me mets bien égal par rapport à celui-là pour avoir tous les deux rubans exactement pareil dans le même endroit. Et je colle. Parfait. Comme ça, ici, je peux fermer avec le ruban toute la page. Comme ça. Maintenant, on va travailler ici cette page. Du coup, celui-là il vient comme ça, celui-là il vient fermer comme ça. Nous maintenant, on va travailler cette page ici. Pour réaliser cette page ici, en fait, on a besoin de tout de suite les mesures, toutes les mesures. On va réaliser plutôt les deux pages qui sont ici. Du coup, là, on va mettre des aimants. Je récupère mes aimants et je vais mettre tout de suite deux aimants. Je mets un ici. Comme ça, je sais que je fais la fermeture de cette page ici. Et le deuxième. Les deux pages qui sont là, ça va être des pages simples, exactement pareil comme cette page qui est là, qui est toute simple. Et cette page qui est là, qui est toute simple. On va pas mettre beaucoup d'épaisseur parce que en fait, c'est les pages. Juste, je me mets bien droit pour coller, pour placer mon aimant. En fait, parce que c'est les pages pour fermer les rabats. Hop. Parfait. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et il ferme. Nickel. Du coup, ici, on va faire comme ça. On va prendre notre page. C'est cette page ici qu'on a ici. Après, on va prendre un petit carré qui mesure 8,5 sur 8,5 et on va découper cette carré. En fait, on va le découper de cette coin jusqu'à cette coin. On fait ça avec le ciseau ou avec le massicot. Je vais faire avec le massicot pour être sûr que je coupe correctement droit. Du coup, je me place ici dans le coin et le coin, je le place ici pour avoir deux triangles parfaits. Comme ça. Je veux faire une petite bordure sur cette lue là. Parfait. Et je colle ici. Et je veux faire une petite bordure sur celui-là aussi. Pour coller ici. Et là, je veux placer une place photo après. On va fermer ici et ici. Et je commence. Déjà, je mets la colle ici, pareil. Comme la dernière fois. Et un peu ici. Des petites lignes. On ne met pas beaucoup de colle. Et je le place bien sur le bord, ici. Sur ma page. Je récupère l'autre coin et je fais exactement la même chose. De la colle ici et la colle ici. Et je le place ici. Parfait.
Super. Et là, j'ai un place photo qui mesure 13,5 sur 18,5. Et celui-là, on va le mettre ici, dans le coin. Et ici, dans le coin, comme ça. Mais on peut, bien sûr, mettre des places photos beaucoup plus petites. Par exemple, des places photos 10-15. On va faire tout de suite. Du coup, je fais des places photos de 15,5 sur 10,5. Ça, si vous voulez pas, en fait, si vous voulez pas quand on va mettre comme il est grand, quand on met comme ça, il faut le plier un peu. Si vous voulez pas faire ça, on va mettre un place photo de 10,5 ici et un place photo de 10,5 ici. Voilà, et celui-là, du coup, on va le coller là, comme ça. Je vais mettre tout de suite la colle et je colle. J'ouvre un peu tous les places photos. Celui-là, je l'écrase un peu, juste pour bien coller ici. Et voilà pour cette côté. Et après, il faut qu'on travaille sur cette côté. Du coup, je ferme ici tout. Voilà. Voilà et voilà. Voilà ici et ici. Et là, c'est pas trop facile. Là, sur cette côté, je prends cette page. On va prendre un morceau de papier qui mesure 21 sur 8,5. On fait deux petites bordures et on va mettre de la colle ici, ici, et on va coller là au milieu de notre page pour faire un passant. Et là, on peut utiliser notre carte de 18,5 sur 13,5. On peut mettre là et on va coller hop, tout ici. Et voilà pour cette page aussi, c'est prêt. Et on va profiter qu'on est bien à plat avec la page. Et on va travailler tout de suite ici. Sur cette page, en fait, hop, on a besoin de notre page déco. C'est celui-là avec les petites cœurs qu'on va mettre ici. Et on va prendre une pochette qui mesure 21 sur 8,5 moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter les coins. Juste les coins de 1 cm et les coins ici. Et on va coller. Notre pochette ici au milieu, direct sur notre papier. Du coup, je veux hop, comme ça. Ici, oh, j'ai le encre, il faut que je le couvre. Bon, il faut que je le laisse à côté parce que sinon j'oublie d'ancrer les pages. Voilà, comme ça. Et ici, je vais mettre la colle sur les languettes de 1 cm. Je me place là au milieu de ma page. Du coup, on va avoir une petite bordure sur tous les côtés, même en bas. On va laisser une toute petite bordure. C'est pas la même comme sur les côtés. Sur les côtés, on a presque 1 cm. Même un peu plus, je pense. Oui, on a 1 cm. Et... oui, 1 cm,1 sur tous les deux côtés. Et en bas, on a 0,4. Voilà, maintenant on va récupérer
un grand rabat comme ça qui mesure 21 sur 11,5 moins 1 cm. On va biseauter le 1 cm. On va mettre la colle ici sur la longueur de 1 cm. Et on colle ici notre rabat. Si vous voulez, vous faites une bordure comme moi. Si vous, non, vous faites pas. C'est comme vous voulez. Mais les mesures sont les mêmes. Parce que moi, j'ai fait la bordure après que j'ai pris les mesures. Du coup, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère qu'on en a des bordures parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. On va prendre un grand rabat comme ça, qui mesure 18,5 sur 28. On fait un pli de 1 cm. On fait un place photo de 13,5 et on a encore 13,5. Et celui-là, on va le plier comme ça. Comme ça. Je fais bien mon pli, comme ça, il prend bien la forme. Et on va coller le 1 cm ici en dessous. Du coup, je mets la colle là. Et je me place au milieu. Voilà, on ferme comme ça. Et on ferme comme ça. Pour fermer ces rabats, on va utiliser du ruban toujours. Et on va coller un morceau de ruban ici sur cet côté, bien au milieu. Et l'autre morceau, on va coller ici. Du coup, je place ici le double face. Et voilà, il est bien collé. Et maintenant, il me reste juste à coller la page ici et bien sûr à mettre tous les papiers déco. Et on se voit après avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer. Du coup, ici, j'ai mis le papier avec les petits cœurs sans foil et sur cet côté, j'ai mis avec le foil. Ici, on va ouvrir. Et on trouve grand espace photo ici. Ici dans la pochette, on trouve trois petites cartes comme ça pour faire du journaling ou coller des photos. Et ici, place photo et encore deux espaces photo ici, vraiment des grandes. Après, il me reste juste à mettre des die cuts, mais ça, je vais mettre à la fin. Une fois que je veux finir tout l'album parce que sinon ça prend trop longtemps et je veux d'abord finir tout pour voir exactement comment je veux placer toute la déco. Voilà pour cet côté. Sur cet côté, on a le même papier avec les petits cœurs, sauf que cette fois-ci, c'est avec le foil. On ouvre comme ça. Ici, on trouve sept papiers et là, des espaces photos. On ouvre ici et on trouve des places photos comme ça. Et encore deux places photos comme ça. Et grand espace photo ici. Voilà. Et dans la pochette, on trouve les deux cartes prête pour mettre des photos. Et j'ai mis du papier caramel ici. Sur les côtés, j'ai mis du papier de la collection et à l'intérieur, du papier caramel. On ferme tout comme ça et on ferme ici avec un joli nœud. Hop. Et hop. Voilà. Et après, ici, j'ai mis du papier comme ça et là on a le grand espace photo. Voilà. Et ici on a les deux espaces photo avec les coins. Et voilà les filles, ça c'est tout. J'espère que ça vous plaît les tutos jusqu'à ici. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.